mes différents voyages en Haïti, j'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreux musiciens haïtiens vivant en Haïti ou vivant à l'étranger, qui m'ont parlé de compositeurs haïtiens qui avaient vécu pour la plupart la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et on m'a appris ça, qu'il y avait des compositeurs de musique classique en Haïti. Donc j'ai fait des recherches, petit à petit j'ai pu récupérer des partitions, notamment grâce à Claude Dauphin à Montréal et à la Société de Recherche et de Diffusion de la Musique Haïtienne, qui m'a envoyé des partitions de différents compositeurs. Il y a par exemple Ludovic Lamotte, Justin Ellie, Edmond Saint-Onge, mais encore bien d'autres. Et j'ai comme ça commencé à découvrir cette musique chez moi, à lire ces partitions, et là j'ai été fascinée de voir qu'il y avait des petites pépites musicales, des choses extrêmement belles, extrêmement sensibles. Et je me suis dit que voilà, je me devais de faire découvrir ces musiques à un public, à mon public, et au public français notamment, puisque c'est ici que je vis, et aussi à l'étranger, parce que finalement, on s'est rendu compte que ces musiques-là sont à peine connues, même des Haïtiens, et que c'est une partie de la culture haïtienne qui est oubliée. On connaît bien les peintres haïtiens, les écrivains haïtiens, mais on connaît beaucoup moins les compositeurs de musique classique. Et ça, c'est vraiment une partie de cette culture qui mérite d'être connue. Alors ça a été une surprise, oui et non, une très belle surprise parce que j'ai découvert des choses magnifiques, et en même temps pas une réelle surprise parce que je sais qu'Haïti c'est un pays extrêmement créatif, avec des artistes absolument partout, et je me doutais qu'il y avait quand même, enfin je le savais, qu'il y avait une tradition assez ancienne de musique classique en Haïti. Ma mère m'a toujours raconté par exemple que dans sa ville de naissance, à Ouanaminthe, il y avait sur la place principale des haut-parleurs qui diffusaient de l'opéra et de la musique classique toute la journée. Donc je savais quelque part qu'il y avait cette tradition en Haïti, et je me disais que s'il y avait eu comme ça une tradition de musique classique, il devait bien y avoir des compositeurs, mais où et lesquels, ça je ne savais pas. Donc ça a été une belle surprise, une belle découverte. Alors le petit clin d'œil que j'ai voulu faire, c'est un clin d'œil pour Ludovic Lamotte, qui est le compositeur principal du disque. Ludovic Lamotte, on le surnommait en Haïti et dans les Caraïbes le Chopin noir. Pourquoi le Chopin noir? Parce qu'il a été très influencé et très admiratif de Chopin et de sa musique, à tel point que lors de ses différents concerts en tant que pianiste, Ludovic Lamotte jouait des œuvres de Chopin absolument à chaque fois, mais aussi il a été inspiré directement par Chopin pour ses propres compositions. Donc on retrouve dans la musique de Ludovic Lamotte un style qui est assez proche de celui de Chopin, à ceci près que Ludovic Lamotte introduit en plus du style de Chopin, on va dire, il introduit en plus une touche très personnelle et très haïtienne en introduisant des rythmes plus afro-caribéens, des mélodies issues du vaudou par exemple. Donc c'est une sorte de métissage entre un univers proche de celui de Chopin et la culture haïtienne. Et donc j'ai voulu rendre cet hommage à Ludovic Lamotte, que l'on surnommait le Chopin noir, et faire entendre justement ces points communs entre Chopin et Ludovic Lamotte. Pour les partitions, notamment celle de Ludovic Lamotte, qui est un compositeur génial, il y a encore beaucoup de travail à faire. Les partitions que j'ai reçues de la part de Claude Dauphin sont des partitions qui sont pour certaines incomplètes, parce que les partitions n'ont pas été éditées, elles ont été simplement recopiées pour pouvoir être conservées, et donc elles sont encore incomplètes. Je crois qu'on ne sait pas trop si Ludovic Lamotte écrivait tout dans ses œuvres, ou s'il en écrivait une partie et qu'il improvisait le reste. Il y a des questions qui restent en suspens. Néanmoins, moi, ce que j'ai reçu n'était pas tout à fait complet, donc j'ai dû moi-même faire un travail d'analyse et pour essayer de reconstituer ce que ça aurait pu être pour pouvoir faire entendre sur le disque des œuvres complètes. Donc il y a une partie que j'ai imaginée, que j'ai déduit du reste de l'œuvre de Ludovic Lamotte pour pouvoir boucher les trous en quelque sorte. Et je pense qu'il y aurait un travail à faire et auquel j'espère participer parce que ça m'intéresse beaucoup, un travail pour pouvoir petit à petit faire éditer ces œuvres. Et proposer des partitions complètes, éditées, de bonne qualité, avec une écriture bien lisible, pour pouvoir permettre à tous les musiciens, qu'ils soient professionnels ou amateurs, de jouer aussi ces musiques chez eux ou en concert. C'est vrai que je voulais pour cette pochette, on en a beaucoup discuté avec ma maison de disques, mais on voulait quelque chose qui soit qui raconte aussi une partie de ma propre histoire, c'est-à-dire que mon lien avec Haïti, mon premier lien avec Haïti, ça a été les tableaux que j'avais dans ma chambre d'enfant. Dans l'appartement de mes parents, il y avait des tableaux naïfs haïtiens
sur tous les murs, absolument partout. Et j'ai été en fait habitée, j'ai voyagé à travers ces tableaux avant même de voyager en Haïti. Donc c'est mon tout premier, on va dire, mon tout premier lien fort avec Haïti, ce sont ces tableaux. C'est pour ça qu'ils figurent sur la pochette. Et les mains sur le cœur, en quelque sorte, c'est une manière pour moi de témoigner à la fois mon amour pour ce pays et pour cette culture. C'est pour ça aussi le titre du disque, Haïti, mon amour. Et aussi de peut-être partager avec le public le fait que c'est quelque chose de très intime, ce qui me relie à Haïti. Le fait de partager ces musiques, pour moi, c'est à la fois très intime, très fort. Il y a quelque chose de très sentimental pour moi dans cette action. Et voilà, je trouve que les mains sur le cœur symbolisaient assez bien cette manière de montrer que c'est une forme d'intériorité et en même temps un grand amour pour ce pays.